Salut mes petits bubbies, c'est le Conquis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ratropolis. Alors tout d'abord hein, quand même, excusez-moi si j'ai un petit manque de dynamisme, vu que bah, forcément on est en hiver et que je suis sorti un jour la semaine dernière, j'ai oublié de mettre mon slip, un pigeon m'a soufflé dessus, j'ai chopé une rhinopharyngite. Donc bon, voilà, disons que j'ai connu de meilleurs jours. Enfin bref, donc on va partir sur ce petit jeu en général. Un petit jeu qui, ma foi, me rend très addictif, hein, puisque je me bute quand même pas mal. J'ai découvert des petits, on va dire, des petits patterns, etc. Puis grâce aussi à quelques abonnés aussi, j'ai pu, enfin qui m'ont donné des petits coups de pouce même hein, pour me dire voilà telle ou telle carte est bien, essaye de la jouer machin, mais du chouette. Donc effectivement, y a pas mal de petites choses que je ne faisais pas qui sont au final vachement importantes et qui doivent être faites au final hein, pour pouvoir aller plus loin dans le jeu, puisque comme vous l'avez vu déjà, c'est un jeu quand même assez compliqué. Et donc là j'ai réussi quand même plusieurs fois à aller jusqu'au boss final hein, de la 30e vague. Alors chose que je ne savais pas c'est que. Ah tiens, bon bref. Chose que je ne savais pas c'est que. Comment dirais-je il y a plusieurs boss de fin donc, qui pop aléatoirement. Hein, donc vous pouvez très bien avoir une tortue comme une araignée, comme je ne sais quoi d'autre. Qui ont forcément chacun un gameplay différent hein, ou un pattern différent. Donc bon, on va voir ce que le jeu nous donne, on va voir si on arrive à choper de bonnes cartes, hein, parce que forcément, tout bon jeu de cartes hein, a un côté aléatoire omniprésent. Hein. Alors, ah tiens, là pour le coup, quand même, j'ai des cartes quand même qui sont pas trop mal, je vais peut-être prendre le marché dans un premier temps. Le marché hein, qui est très important pour avoir de nouvelles cartes plus vite. Hop, et potentiellement de meilleures cartes, hein, évidemment. Là, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va balancer ces petits pélos là-bas. Alors, bon, le marché, on l'a déjà. On va peut-être se prendre une ferme, une muraille. Une réparation, moi, ça me dit bien. Surtout que là, pop, on a quand même pas mal de gold. On va prendre une réparation, parce que réparation, quand même, c'est important. Pourtant, on va voir. Grain, on peut le balancer. Dommage. On va balancer quand même notre petit gardien, notre milice. On va faire une muraille de l'autre côté. Bon, de toute façon, là, on a de quoi faire. Alors, on est à 7, 9, 11 pélos. Donc, on va se prendre un conseiller. Plutôt. Qui nous donne plus 25 de PV pour les cartes militaires. Très très bon, très très bon bonus permanent qui plus est. Donc ça c'est pas négligeable du tout. Petit potier, une petite ferme pour les goldes. Petite carte. Voilà. Bon là c'est la bite. Pas de carte pouvoir, donc ça sert à rien. Et les deux autres sont des cartes pouvoir, donc au final. Ouais, je vais passer. Je vais passer celle-là. Quoique, ouais, le terrain brûlé à la mythe, ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Terrain brûlé, ça aurait peut-être pu être. Ça aurait pu être peut-être pas mal, mais bon. On verra plus tard. Hop, hop. 40, on va balancer. Petit fromage. Est-ce qu'on se balance d'autres pélos? Allez. 3 de chaque. C'est pas mal pour tenir quelques temps. Je veux dire que ce jeu là franchement il est vraiment très addictif hein, parce que j'arrête pas d'y jouer. Alors je pète des plombs forcément parce que j'arrive pas à buter le boss de fin. Une milice, bon. Dommage. Mais comment dire, le jeu en lui-même est vraiment purée, est vachement prenant quoi. Franchement il est vraiment bien fait, il y a pas mal d'ajouts.
Les devs quand même suivent bien leur jeu, mine de rien. Ah putain, les salauds. Les salopios. Petite baraque là. On va mettre ça. Là, là. Donc il y a pas mal d'ajouts et a priori il y a des ajouts qui sont prévus encore hein, pour le mois de janvier a priori. De nouvelles, alors a priori hein, de nouvelles maps, de nouveaux monstres, etc. Donc, ça peut être intéressant. Peut-être de nouvelles cartes, espérons, ou même de nouveaux leaders. Ce serait cool. Perdre la moitié, ouais. En tant que général, c'est pas mal. Ça rime en plus. Maison, on est à 7, plus 2, 1. Ouais, toujours pareil, ok. Est-ce qu'on a... On a pas forcément besoin de maison. Quoique, je me tâte. Maison quand même. Marché, petit frondeur, ça me parle. Cimetière, j'aime beaucoup avec le général. Ça permet de pas avoir besoin justement de trop de baraques. J'ai même fait une partie en tant que général avec deux cimetières et ça tombe bien mine de rien. Mais j'avoue qu'un petit frondeur, ça me parle bien aussi. Petit frondeur, ça me parle bien parce que effectivement, comment dire, par les petits coups de pouce qui m'ont été donnés, je pense aussi que frondeur et les guerriers au bouclier, je pense que ce sont les troupes de base qu'il faut avoir et qu'il faut up en priorité. Mine, ça peut être bien aussi, effectivement. Une seconde muraille. Muraille, c'est pas forcément... J'aime bien cette carte-là aussi, un pot foncier. Parce que pour chaque bâtiment construit dans la ville, on a plus 5 ors, donc c'est pas mal. Les tanneries, j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais prendre en vrai? Allez, on va prendre une mine. On va prendre une mine, voir si on arrive à construire notre petit deck proprement. Est-ce que ça va suffire là? Je pense que oui. 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 Large. Large. Purée. On va prendre le produit brut quand même, pour avoir un petit apport en gold. Alors on a notre mine que nous allons placer de ce pas. Une petite quête alors. Vous avez toujours besoin de repos en plus un niveau de leader ou une carte militaire améliorée aléatoirement. En sachant que là on est censé avoir je crois 2 milices. Je crois. Ouais, je crois qu'on a 2 milices, un frondeur et un gardien. J'aurais bien aimé que ça tombe sur le frondeur, mais comme de par hasard, je pense que ça va pas être le cas. Est-ce qu'on pousse la chance? Allez. On va voir. On peut voir là ou pas? C'est la milice, putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon la milice va nous servir hein, tant qu'on n'aura pas de toute manière les guerriers au bouclier, de toute façon. Ça nous servira bien. Dans tous les cas de figure. Hein. Préférer les frondeurs, mais bon, on peut pas tout avoir. Hop, donc là on va balancer sac, un petit frondeur, le gardien on balance pas, on s'en balance. Ami, de toute façon, même si on peut le dégager, ce serait pas plus mal. Ouais, histoire d'avoir que des frondeurs. Paf, paf. Ça gère. Ça gère tranquillou biou. Oh, ça c'est pas mal ça. Obtient une carte d'arbalète plus... Ouais bah arbalète direct. Direct je prends. Frondeur arbalète. Attends. Direct que je prends, ouais. Tu m'étonnes. Un peu que je prends. Un peu mon neveu. Ok. On va attaquer par là. Là on est pas trop bien, c'est chiant puisque le... Mais longtemps quand même l'entraînement à pop hein. Il met longtemps l'entraînement à pop, donc on va balancer ces deux cartes-là, plus une petite chasse. On va peut-être... On va peut-être pas dû le faire tout de suite, je suis con. Quoique, on a 3 miliciens. Mmh.
Je me tâtonne. Bah allez. Tire à l'arbalète. Pif. In your face. Et en plus, tiens, hop. Tiens. In your face. On va se mettre un petit produit brut. Une petite chasse encore pour avoir plus ventrine, quoique. Si, je vais avoir quand même un petit jus quand même. J'ai quand même quelques 23. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va balancer ça. On balance ça. Hop. Allez, du niveau 3. Niveau 3 pour le leader. Alors, tour Siri. Siri, c'est bien. On va prendre la Siri pour le moment. Ok. Ok, ok. Petite poterie. La Siri, on va venir la caler. Qu'est-ce que On va roll pour voir. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Bon. Non, c'est ça. Alors, vous perdez la moitié de votre or, mais plus 15, moins 3. Non, je préfère perdre mon or. Ici. Petit cimetière muraille, moi, ça me parle. Ça me talking. Hop, par là, comment ça se passe? Ça se passe bien. Pour le moment, ça va. Ouais, donc là, on a un peu de la merde, quoique la catapulte d'hérisson peut être intéressante pour ralentir les ennemis. Mais bon, je trouve pas ça fou, perso. Vas-y, on passe. On paye ça. Ah, le petit cimetière. Le petit cimetière qui va bien. On va rebalancer une petite connerie. On fout de la souris là. Hop. Un petit grain, pourquoi pas. J'aurais dû le mettre avant même. Ça m'aurait évité de perdre du temps. J'avais pas pris une muraille moi. Pourquoi elle pop pas la muraille? Vas-y. Proc. Voilà. Hop, hop, hop. Petite muraille. Hop. Une petite chasse, bien évidemment. Un petit milicien, c'est pas trop. Pour éviter que mes arbalétriers se fassent démonter. Nickel. Faire le plus de d'attaque. Est-ce qu'on virerait pas les gardiens? On va virer les gardiens. Ouh, cette vague, elle va être un petit peu plus violente. Donc on va balancer ça. Très bien. On va rebalancer ça. On balance un petit produit brut. On balance une chasse. Tac. Hop. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Médecin, ça me parle. J'aime beaucoup les médecins. Putain, j'ai encore une tour de guet, tiens. On va prendre un médecin. Allez, médecin. Ah oui, easy mode, là. Ok. Je pense que ça va être plus costaud un peu ici. Tiens. On va attendre. Hop. Bim. Et bim. Ouais, ça passe nickel là. Allez, niveau dégâts, c'est bien là. Niveau dégâts, on est bien. Voilà le petit cimetière qui a proc. Qu'est-ce que c'est ça? Obtenez l'une des 6 cartes militaires. Bannière, j'aime bien bannière parce que ça booste les alliés, enfin les troupes. On va prendre un rat bannière. On va prendre un petit rat bannière.
Donc le cimetière qui va me donner, là on est à 6 de pop. Voilà, on passe à 8, ça c'est nickel. Hop, hop. On n'est pas trop mal là pour le moment. On n'est pas trop mal. Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, marchandage. J'aime beaucoup cette carte. Qui nous donne... Enfin, en gros, pour 10 pièces d'or, on a une carte, donc aléatoire, et qui coûtera moins 50% de son coût normal. Et ça, j'aime pas mal cette carte-là, donc je vais la prendre, celle-ci. Par contre, on n'a pas grand-chose de bien. Ouais, celle-là peut être bien, mais bon, pff, pas terrible. Hein. Perdre tout son or et récupérer tout 90 secondes après, bon... Pff. Enfin, x2, hein, mais bon. J'aime pas trop. Muraille, bon, pour le moment, on est à 2 de chaque côté, ça va. On va pas dépenser plus d'or, pour le moment. On va pas dépenser plus d'or, soyons raisonnables. Bah tiens, regardez. Hop, marchandage, donc clac, je la cale, et ça me balance. Bon, là, ça me balance une carte à la con, mais... La carte coûte moins cher, mais ça peut vous amener une bonne carte au final, hein. Donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Là je pense qu'on va pas se priver, on va balancer ça et une chasse. De toute façon là les vagues, on est déjà à la vague 11. Ça va commencer à taper. Les ennemis vont commencer à être un peu plus puissants. Et là avec les types et l'objet... Ça devrait plutôt bien se passer pour le moment. Est-ce qu'il y aurait une carte que je pourrais dégager? Oui, celle-là, je pense. Quoique... Bon. Ouais, si, celle-là, on va la dégager. On va la dégager. On va mettre un médecin peut-être de l'autre côté. Hop. Pas terrible là. Quoique, on peut mettre un rabanier ici. Ah mais si j'en avais pas, je pensais que j'en avais mis un. Dommage, bah du coup je. Ouais, bah du coup j'aurais dû mettre là pour le coup vu qu'ils attaquent de là. C'est pas bien grave. Ok, marchandage. Bon bah là du coup je gagne plus 10. Pourquoi pas. C'est toujours ça de prix. Non, on va pas la foutre maintenant peut-être. Quoique. Les petits pélos ils ont l'air de gérer, en plus il y a le médecin derrière qui soigne. Les arbalétriers qui tapent bien. Hein. L'arbalétrie c'est fort hein, parce qu'en plus ça perce. Hein. Ça fait des dégâts perçants donc ça touche les ennemis qui sont derrière. Ça c'est vachement vachement pratique. Pff, quoi, la maison écoute. Hein. La maison, fais voir. Purée, il n'y a pas les cartes que je veux. Hein. Pas les cartes que je veux. Hein. Ça peut être pas mal aussi, hein. Plus un taxe tous les 4 ratoyens. On va se la prendre. On va se la prendre. Un petit bâtiment, ça fait pas de mal. Tiens, d'ailleurs, on peut même le poser. Par contre, on commence à manquer de place quand même, mine de rien. Quoique non, je dis une bêtise, on a de la place ici. Hop, hop. Allez, donc là, on passe à... Plus 18. Ça commence à être intéressant, là, hein, en thune fixe, en boulet fixe, là, ça commence à être intéressant quand même. Hein. Du plus 18, c'est pas négligeable. Maintenant, c'est ce qu'on a. Je crois qu'on peut même roll un coup. Plus, hop, hop. C'est chiant là parce qu'on n'a pas de rat bouclier. Et ça m'emmerde un peu. La taverne. On va la prendre. Ok. Hop. Petit marchandage, voir qu'est-ce qu'il donne. Un arbalétrier à 22. Alors que normalement ça coûte combien? Quoique je vais peut-être pas le voir là. Ah non, je vais pas le voir. Je sais plus combien il coûte. Bah, de toute façon, j'imagine qu'il coûte 44, du coup, vu que c'est 50%. Débile. Hop. Voyons.
Ah, exploitation minière. Exploitation minière, plus 2 heures une fois joué, et multiplie de façon permanente 3 par le revenu de toutes les cartes exploitation minière. Donc ça, c'est pas mal. Puisque ça évolue dans le temps de manière permanente, et ça, c'est cool. Donc plus ça va, plus on la joue, en gros, plus on touche de boules. On va la prendre direct. C'est tout ce qu'on va prendre, je pense. Là, on en est où? 2 arbalétriers, ouais. Allez, on va balancer ça. Là, de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'en ai 7 de miliciens. Alors, je vais en mettre là un peu. C'est chiant parce que j'ai toujours pas... mes boucliers, là. Ce qu'il aurait fallu, en fait, ce que j'aurais aimé avoir, c'est... bouclier une caserne. Améliorer le bouclier niveau 2 et ensuite avec la caserne le booster de plus en plus, parce qu'avec la caserne en fait vous donnez je crois que c'est un plus 1 plus 2, je crois, plus 1 attaque plus 2 défense, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin quelque chose comme ça, mais de manière en plus permanent. Donc c'est à dire que plus vous l'améliorez, plus il va être costaud, quoi, mais jusqu'à la fin de la partie. Et ça, c'est vraiment vraiment très fort. Voler, évidemment. Merci Griffus. Merci à toi. Parce que je savais pas vraiment à quoi elle servait. Et effectivement, depuis que tu me l'as dit, je la snipe direct, celle-là. Ça, c'est clair. Hop, hop. Voilà. Un petit potier, voilà. Hop, voler. Qui me ramène des cartes. Un petit exploitation mineure. Pour le moment, ça nous donne rien, mais ça va pas tarder. Tiens, le marché. Ouh, renforcement, ça j'aime bien. Mine de rien. Et augmentation des taxes aussi, j'aime bien, puisque grâce à notre bâtiment qui nous augmente la taxe par rapport au ratoyen, là on est à plus 18, ça nous ferait du plus 36, ce serait pas mal. Mais renforcement, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. J'aime beaucoup cette carte. Par contre, là on a plus de ratoyen. Et ça j'aime moins. Hop. Voilà. C'est à ça que le cimetière sert. un petit druide pour snare les ennemis et attaquer à distance. C'est pas très fort quand même, hein. C'est pas très fort, hein. 6 de dégâts, 24 de def. C'est pas très fort, mais ça a l'avantage de snare les ennemis, et effectivement, arriver à un certain niveau, ça peut être intéressant de les snare. Lisez. Bah tiens, hop, un petit plus 10, c'est pas mal ça. Mange pas de pain. Un milicien niveau 2. Pas beaucoup de miliciens ici. Hop. Ouais, même le médecin, il fait plus de dégâts que le druide, quoi. Attends. Là, vous voyez, là, elle est à plus 5. Mais attends, est-ce que je peux la dupliquer? Mais elle est éphémère ou pas? Non, elle est... Ah ouais, putain, c'est cheat, ça, ouais. Effectivement. Encore une fois, merci, Griffus. Merci qui? Merci, Griffus. Ouh, par contre là, c'est chaud là. Ouh, c'est chaud là. Ouh, c'est chaud. Les marrons chauds. Chasse déjà. Petite exploitation minière à 6. Ça fait du bien. Ouïouïouïouïouïouïouï. Waouh, on l'a échappé belle là, mais la prochaine vague va faire mal. Carte médecin, plus 5 attaques pour unité soignée. Ah ouais, ça par contre c'est bien ça. On va le faire. Purée, je peux pas les améliorer. Ouais, de toute façon on en met tout ce qu'on a. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose là? Ah, une réparation, ça me dit bien. Boum. Attends, petit marchand. Attends 2 secondes. Là on est dans le dur.
Là ça tourne mal. Là ça tourne mal. Ça tourne mal. Conscrit, c'est pas mal. Pendant 10 secondes, moins 100% de coups pour les cartes militaires piochées. Ça peut être pas mal ça. Hein. Oh, je me tâtonne l'arrêt là. Hein. Je me tatillonne l'arrêt. On va en prendre une. Ça peut être quand même vachement intéressant, mine de rien. Ça attaque où là? Ça attaque là-bas, c'est la merde. C'est la mienne. Si je fais ça. Non, je crois que j'ai fait de la merde, là, je crois. Je crois que j'ai fait de la merde. Aïe. Coup dur. Arquebusier, purée, ça c'est de la bombe. Hein. Ça c'est de la bombe, mais on n'a pas de quoi. Aïe. Je vais être obligé, je pense. Hein. Je vais être obligé, on va claquer ça. Non, en plus, la deuxième vague, ouais. Donc, un petit milicien à zéro. Allez, dépêchez-vous là, bande de chinois de Chine. Allez, on se dépêche. On se dépêche, les petits poussins. Putain. Fondeur, vas-y, donne. Allez. On se dépêche, les petits pélos. Les petites souris. Oh, je vais me faire casser le boule. Les amis. Allez. Vite. Voilà. GG moi. Déjà pété. Non. On est mort les gars. On est dead. Ah ouais, on est carrément dead. Giga, attends. Giga, donne-moi des trucs. Oh le salaud. Ouah mec, t'es sérieux? On est dans la merde. On est dans une merde de ouf. Putain, il est où ce rabouclier, bordel? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut dupliquer là? Qui serait bien? Tu as deux frondeurs. Je me tâte à la limite entre voler et exploitation minière, mais vu qu'on a quand même... 23. Ah, ouais, voler. Voler. Vous rapprochez-vous. Ah, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire voler d'abord, ça serait des soldats. Non, pour moi. Bon, là, je crois que là, on va pas la tenir, là, celle-là. Hein. Clairement. Potier, petit frondeur, petit machin, petit bidule, petite chasse. Ciao, putain. Oh, de l'autre côté, ça pue. Hein. Putain, mais attends, mais il crève jamais ou quoi? Allez, donne-moi des cartes. Vas-y, donne des cartes encore. Oh ouais, d'accord, en plus c'est le boss. Oh, c'est mort. C'est archi mort. Non. Ah non, on est mort les gars. Ah, la PLS du cul. Ralark, ça, j'adore ces soldats là. Les mousquetaires aussi, ces deux là, je les adore, ces deux classes là. Enfin, ces deux soldats, j'adore ces troupes. Ah là là, les amis. Ah les amis. Quoi, remarque, défaite pile poil, hein, mine de rien. Défaite pile poil, ça nous a fait une vidéo.
Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. La reine de ses morts. Bon, mes petits potes, mes petits Bob Eyes. On n'a pas eu ce qu'on voulait, hein. C'est bien dommage, parce que, franchement, on aurait eu les rats au bouclier. Je pense que ça aurait changé la donne, parce que, bah, ils sont forcément beaucoup plus costauds, quand même. Ils résistent beaucoup mieux et font quand même pas mal de dégâts. Couplé en plus à la taverne, j'aurais peut-être pu les copier, etc. On aurait pu se faire une petite armée de boucliers, avec les frondeurs, etc. Franchement, ça aurait pu être pas mal, hein. Suivi des médecins, etc. Franchement, ça aurait pu être cool. Mais bon, on n'a pas eu ce qu'on voulait. On a eu des cartes exploitation minière et tout un peu tard, je trouve. Puisqu'on a commencé à être à court de thunes. Assez rapidement, alors que normalement, je suis pas censé l'être. Mais bon, voilà, hein, forcément, hein, comme on l'a dit, hein, y a beaucoup d'aléatoires, beaucoup de... Voilà, hein, c'est un jeu de cartes, donc forcément, il n'y a pas tout qui tombe. Tout ne tombe pas comme on le voudrait, hein, sinon ce serait trop facile. Enfin, bon. Bonne petite partie quand même. J'espère qu'en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ce petit jeu me fait bien plaisir. Franchement je suis vraiment addict à ce petit jeu, voilà, qui paye pas de mine mais qui est franchement très très cool. On se prend pas trop la tête, on passe un bon moment. On essaye de faire les vagues en plus avec le mode Nightmare, d'essayer d'aller le plus loin possible. Je trouve ça vachement fun au final. Il y a pas mal de possibilités avec chaque leader en plus a un gameplay différent. Ce jeu en vaut la peine, vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao mes petits bye-byes.